Même si l'on se quitte, tu restes dans ma vie. Même si le temps effrite, efface ce qu'on s'est dit. Oh, je garderai encore le goût, le cœur et le corps, et des petits bouts de nous comme un trésor. Comme un secret qui dort, un mystère un peu trop fort, comme on s'est fait de ce qui rend le plus fort. Je respire dans ma mémoire, comme au fond d'un vieux du noir, ces arbres où l'on ne cessait jamais d'y croire. J'oublierai tous les départs, je porte avec moi une part, le meilleur et quelques-uns de ton regard. Quand on ne souffle pas, quand l'habitude règne, on se perd pas à pas. Mais je garderai encore le goût, le cœur et le corps, et des petits bouts de nous comme un trésor. Tu connais ce qui quitte, un mystère, un coffre fort, comme un secret de ce qui rend le plus fort. Je m'inscrirai dans ma mémoire, comme au fond d'un vieux du noir, ces arbres où on ne cesse jamais d'y croire. C'était une belle histoire, c'était de belles promesses, et de notre revoir laissons-nous la tendresse. Et je garderai encore un bout de cœur et de corps, et des petits bouts de nous comme un trésor. Tu connais ce qui quitte, le mystère un peu fort, comme un secret de ce qui rend plus fort. Je m'inspirerai en ma mémoire, comme au fond d'un vieux du noir, ces arbres où on ne cessait jamais d'y croire. À la hauteur du talent de l'homme et de sa sensibilité, c'est Grégoire dans les coups de cœur d'Alain Morisot qui nous rejoint. Grégoire, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci. Alors, bonsoir. Philippe, puisque c'est vous qui êtes le spécialiste de musique, je vous laisse. Ah, bah, très bien, très bien. Grégoire, bonsoir. Je suis très heureux, Philippe, de vous croiser sur ce plateau. J'ai une question pour vous sur l'utilité d'une chanson. Votre premier grand succès s'appelait Toi plus moi, et beaucoup de gens se sont accaparés ce succès, se sont appropriés cette chanson, par exemple pour des mariages, Toi plus moi. Est-ce qu'une chanson comme ça peut tout d'un coup vous échapper ? Ben, c'est, je pense, le but recherché, en tout cas, pour ma part. Après, c'est vrai que Toi plus moi, j'avais pas imaginé, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'avais pas imaginé que ça puisse faire des mariages ou des choses comme ça. Je l'avais écrit juste pour que les gens dansent. Et au final, les gens l'ont prise pour eux et elle est partie dans des contrées que, voilà, que j'imaginais pas. Et il y en a d'autres, il y a Ta main aussi, ouais. Qui est une chanson qui a accompagné les gens dans des moments beaucoup plus difficiles. Et j'avais même un jour, j'ai reçu un message de quelqu'un qui détestait Toi plus moi et qui l'avait, qui entendait ta à main, la. Vous voulez dire Ta main. Oui, non, mais il détestait Toi plus moi. Ah d'accord, la première chanson. Oui. Donc il m'aimait pas beaucoup. Ouais. Et en fait, il avait malheureusement son papa qui était à l'hôpital et il venait de le visiter et il s'en va et en allumant la radio, il entend Ta main ou il entend J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. Ouais. Et à ce moment-là, il a pris ça comme un signe. Il est retourné à l'hôpital et ça lui a permis, parce que malheureusement son papa est parti dans la nuit, de l'accompagner jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'a renvoyé. Dans son message, il finissait en disant « Bah maintenant, j'écoute vos chansons et je fais même attention à toutes vos paroles parce que si ça se trouve, ça doit me guider quelque part. » Et c'est vrai que c'était ultra touchant, d'autant plus que le mec me détestait à la base. Donc il y avait tout ce côté-là qui, pour moi, je
La plus grande récompense pour une chanson, c'est celle-là. C'est quand elle vous échappe et qu'elle va chez les autres et qu'elle ne vous appartient plus. Merci Grégoire. Merci beaucoup. Et cet album, Les Roses de mon silence, que l'on retrouve.